Salut, je sais pas ce que je viens faire ici, mais apparemment je suis dans la quatrième dimension. J'en sais absolument rien non, je me rappelle juste d'avoir mangé une banane, souvenir achetée au casino du coin de l'MDR. Il faut vraiment être con pour acheter ce genre de truc, mais de toute façon cela n'a aucune importance, puisque nous sommes dans la quatrième dimension, alors voilà accent circonflexe pouce vert. La vie est pleine de surprises lol, aucun rapport je sais pas pourquoi je dis ça, juste pour combler ce vacuum intellectuel, oh lol j'ai dit un mot compliqué. Tu as sûrement raison, et d'ailleurs tes oreilles éveillent en moi les passions les plus intimes et sordides. Dommage qu'il faille payer pour un troisième larron, car comme ça on aurait pu faire comme dans 8 lolol. C'est bon, pas la peine de faire ton pseudo-dilettante de comptoir. Parce que de toute façon tu ne portes pas de lunettes adéquates comme Cyprien, qui te font croire que t'es intelligent alors qu'en fait tu idolâtres ma gloire. Cette fois c'en est trop. Tes oreilles me donnent envie d'agir à la manière de Sade, te crever les yeux et boire ton sang et... Arrête John Freluquet. Il y a sûrement des kikoupocasters qui regardent cette vidéo, tu risques de les choquer. Ok, mais il faut dire qu'on se fait tellement chier, puis en plus, je sais même pas pourquoi je mets un t-shirt irlandais, par-dessus une chemise et une cravate. Je savais pas que les Irlandais avaient cette mode. Mais de toute façon, c'est l'auteur de cette vidéo qui se prend pour un Irlandais juste, parce qu'il est trop blanc le Bolos XD. Tu as raison, d'ailleurs il s'éclate à nous faire faire des gestes totalement inutiles. Cette vie est aliénante, nous sommes guidés par l'auteur. En parlant de liberté, je tiens à te signaler que le premier verset de la Bible, je cite, « Broshi bara Elohim et asanein vet aere », le mot « bête » dans « broshi » signifie le chiffre « 2 ». Cela veut dire que Dieu a créé le monde du 2, donc nous sommes dans le monde du 2. En fait, je te dis juste ça parce que c'est mon professeur de philo qui se prend pour Raphaël Antoven qui me l'a dit, donc c'est super inutile, lol MDR pouce vert. Je crois que j'ai compris, le monde du 2 est en fait le monde 2. L'article du sert juste à cacher le sens mystérieux de cette phrase dépourvue d'intérêt. En fait, le monde du 2 est la quatrième dimension, je suis un génie. Alors en fait, les Hébreux auraient pu dire le monde du 4, parce que franchement, c'est vraiment des raclures de bide et je nous faire poireauter là-dessus. Je rage comme un porc là. Attention, je n'ai plus d'inspiration, pour le moment alors il faut que je relance l'intrigue. Qu'allons-nous devenir? N'oubliez pas de mettre des pouces bleus, oh lol comme je suis drôle.